Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dying Light. On s'est retrouvé avec Katox qui court partout en flammes. Salut Katox. Salut, je fais une entrée stylisée. C'était prévu. Une entrée fracassante. C'était totalement. C'est calculé. Oh, si c'était calculé alors. Alors toi, je voudrais que tu ailles ici. Il y en a quelques-uns quand même. Hein. Voilà, on va attendre qu'il court après Katox et puis on va choper la voiture. T'en fais pas, je vengerai ta mort. Bon bah écoute, je te suis. Ah mais c'est tout près cette zone-là en fait. Tant mieux. Par contre, comment on rentre? J'ai fini par sauter par-dessus tout. Ouais, pareil. Pas y aller comme ça. Où ah oui, non, mais en fait, on aurait même pu y aller à pied. Les distances sont beaucoup plus proches que ce que je pensais. C'est parce qu'il n'y a pas de rapace sur le chemin, sinon on serait déjà mort. Pourquoi cette porte est toujours fermée? Je sais pas. Il y a un sac. Non, on peut pas l'ouvrir. En plus, il est pas du tout là, le lit. Il est là-haut, là. Il est pas là? Il est où? Ah ouais. On a été non détecté. Les petits mecs fifous quoi. A survécu. Alors les voitures sont toujours là. Putain, comment on va sortir? On va pas monter par là. Les voitures sont toujours là. Enfin la mienne est toujours là. La tienne est loin, hyper loin, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est... Faut pas se poser de questions. Ils savent que je suis trop puissant, du coup ils mettent des malus, hein, c'est comme ça. Du coup je t'attends pas. Oh, y'a du monde. Je rentre pas. T'es à pied? Bah oui. Je crois que t'étais retourné chercher ta voiture, moi. Oh! Qui c'est qui a eu l'esquiveur sans même qu'il commence à courir? C'est ça, on voit mon loot super loin. Tu as shooté à l'arbalète? Ouais. Tu me dis quand t'es dedans? Je suis dedans. Parce qu'il y a un truc explosif qui se pointe. J'ai entendu. Je crois que mes amortisseurs commencent à en chier un peu. Je cherche la touche. The fuck. Voilà. Mais t'es descendu. Chercher la touche pour allez. Pour sortir la tête du véhicule et taper des gens, mais j'ai pas trouvé. Je crois que c'était avancer. Ah. Faut avancer. Putain, j'ai plus de quoi réparer ma voiture quoi. Vraiment falloir qu'on trouve quelques bagnoles à piller. Toi là, t'as pas du stuff. Ah des vis, hein. Parfait. T'en as combien? 3. Ah, du coup on les prend. Tu veux que je te dise moi? Ça on vend, c'est naze. Alors, Jazir, t'avais les quêtes. Et là il y a une quête. Collection d'armes d'un fermier local exposé au muret d'Aran. Musée d'Aran. «
des collections d'armes de l'Ouest sauvage, dans un état quasi parfait. Ouh, ça c'est intéressant. Le speech de la quête quoi, la journaliste qui se pointe pour l'interviewer, le mec il pète des bouteilles sur la table et tout. Bon bah voilà ouais. What's this about a weapons collection? Ah yes. It's something I've wanted to take care of for a while now. There was this man, Adam, who lived in town. A bit eccentric, but everyone liked him, especially when he got drunk. Well, he had a huge collection of weapons, famous for it. And he was a good shot with his precious revolvers. But then, when he started getting old, paranoid that someone was going to steal them. And the rumor is, when he died, his house turned up completely empty. No weapons anywhere. Okay, but how does this saber fit into the picture? Ah, Adam was crafty. Years ago, he got hold of my grandfather's saber, and nothing I could do would persuade him to give it back. I just hope if he hid his other weapons, that saber is among them. Oh, le mec, il a des Colt, des Winchester et tout, et on va récupérer un sabre, sérieux? Bah ouais. Jazeer, what's up? Tant pis. Son, I know you have a lot on your mind, but I need to ask you a personal favor. That's your thing, what do you need? I hate to ask, but I won't stand the chance out there. It's about my daughter. I think she's run away from home. Yes, ah, merde. She ran away. Why? Good question. Comment ça, tu crois qu'elle s'est enfuie? I've never been able to guess what's going on in that crazy head of hers. Okay, well, do you have any idea where she might have gone? The only place I can think of would be Ozan's house. They were close. Ah, boyfriend, huh? That's what you guys were fighting about when I first got here? That little prick. He never worked a day in his life. No respect for his elders. Always with an idiot smile and that damn cap worn. On parle de son chapeau. Relax, I'll look for her, don't worry. Where does this Ozan live? He lives on a farm that's pretty close to Oasis. And thank you. I'm sorry for asking this, just if you. Ok. On va livrer le foie d'esquiveur vite fait pendant qu'on y est. C'est fait. Un niveau, ah si, quand même, petit niveau. Compétences, niveau de survivant. Qu'est-ce qu'il nous reste à prendre? Attaque camouflée, quand on est camouflé, on peut attaquer les infectés ou alors fabriquer des boucliers. Ouais. Toi, t'as déjà tout de toute façon. Bah, moi j'ai tout. Ouais. C'est mon défaut, hein. Trop fort. Ah, t'as plus joué quoi. Je suis même pas sûr, je pense que je passe plus de temps à tuer des gens. C'est où déjà la peinture du truc là, c'est là. Pourquoi les toutes les types tout type sont réinitialisés là, c'est chiant. Qu'est-ce que t'as fait? C'était quoi ça? Ah mais t'as une bobine électrique sur ton truc? Ouais. Sérieux? Apparemment ça fonctionne bien. C'est où ça? Alarme de voiture, télécommande, habitacle renforcé, pare-buffle, phare UV. Ah mais c'est où ce bas. Truc? Je crois que c'est en bas dans les derniers points. Ah mais t'es niveau combien de pilote déjà là? Bah 13, je t'ai dit que je passais mon temps à rouler sur des gens. Oh, oh la vache. Eh oui. Enfin tu me diras, je suis 8 quand même mais... Oh, bon bah on va chercher la donzelle. Hein. Avait... Ah merde. Je sais pas où elle est. Comment ça? Oui, truc, c'est des zombies. Un petit peu de carburant, ça sera mieux. Bah déjà t'as l'air d'être parti du mauvais côté à première. Moi qui pensais qu'on gagnait des niveaux de conduite en roulant bien quoi. Bah nous on gagne beaucoup de niveaux de conduite en écrasant des gens. Sème le... Tu n'es pas outre mesure surpris? Non.
Bon, je te suis. Ah, je te suis. Je tente de te rattraper. Ah, il y a une zone safe à débloquer ici. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est un gros arbre. Ah, mais on dirait que c'est. On a pas déjà fait cette zone? Ah non, peut-être pas. Alors, faut grimper. Ouais, j'ai plein de compétences non utilisées, mais on survit 2 secondes, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour sécuriser le coin? Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait péter un truc? Non. Oh mais t'es con, je suis mort dans la maison! Ah putain! J'allais valider, j'allais fermer quoi! Ah! Sérieux, il y en a un autre! Ah merde! Non mais quelle idée de toucher des bidons explosifs aussi, franchement j'y crois, parfois on se pose quoi, quoi. Hein, on te laisse 2 secondes et paf, t'es en combustion spontanée. Oh putain, j'ai confiance. Perdu 14 000 points de légende quoi. Si si. C'est pour ça que j'ai des niveaux de moins. Si tu m'étonnes, putain, sérieux quoi. Ah tu vois, c'est ton problème, hein, je pense. C'est trop facilement combustible. Il y a un mec qui me bute, ouais. C'est bon, c'est ça mon vrai problème. Pourquoi de quoi tu veux parler? Regarde, sans t'as décoller. Des preuves, tu vois, moi je vois aucun. Je vois rien qui pourrait exploser ici. Ouais, forcément. Dès que tu vois un truc qui pourrait exploser, tu le fais exploser. Je vois pas de quoi tu veux parler. Moi je vois très bien. Je trouve que tu me donnes tout de suite des mauvaises infos. Moi je vois très très bien. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre du coup comme point? Pare-buffle. Bah ouais, on va mettre le pare-buffle carrément. Qui a besoin de phare UV quand on a un pare-buffle, franchement? Ah, le pare-buffle c'est la vie, hein. Ça permet de one-shot les zombies. C'est pour ça que j'ai autant de points de conduite. Ah ouais, c'est exactement ce que je me disais. Plus de pare-buffle, c'est plus d'XP. Là tu parles de choses qui éclatent, je vois pas du tout de quoi tu veux parler, parce que c'est pas comme si avec beaucoup de choses pouvaient péter dans ce bâtiment. Bon. Aïe. Là c'est toi qui es négatif, c'est toi qui fais de la combustion spontanée. T'as essayé d'arrêter de boire de l'essence? Derrière si tu veux. Merde, arrête. C'est caché. Yo, non, c'est pas là. Yo, non, c'est pas là. Ça a pas l'air très très safe la maison du gars là. Moi, je trouve. Bon, je trouve ça va. C'est sûr, la porte ouverte, c'est pas le meilleur. Mais... En cas d'invasion zombie, c'est pas forcément le plus intelligent de. De laisser les portes ouvertes, tu veux dire? Bah oui, c'est. Chacun fait son choix, on peut pas le juger là-dessus. On peut considérer que c'est quand même une idée de merde. Ah ouais, okay. Caisse. Vous l'aurez remarqué qu'on joue absolument ni les parachutages ni les survivants. Hein. Au secours, aidez-moi! Oui, bon, écoute, tu vas crever. S'il te plaît, pourrais-tu mourir en silence?
Pour aller où, machine? Je suis sûr qu'on va trouver son cadavre et ça va être le drame. Bidule. Chose. Une machette et du café. Ouais, c'est bien ça, du café. Toc toc toc. Ah, là il y a un corps là. Avec une lettre d'amour. Merci Ozone, merci de nous avoir laissé rester aussi longtemps, mais nous devons partir, nos bagages sont faits, nous avons tout ce qu'il nous faut, nous allons quitter le camping du rivage, nous rendre à Aran, je t'enverrai des nouvelles si je peux, merci pour tout. Quoi? Mais elle est dingue. Quoi? Elle a décidé d'aller à Aran. Non, il n'y a pas de signe d'elle. Il y a une autre fille ici qui n'a pas fait. Je vais continuer à regarder, ne vous inquiétez pas, Jazeer. Mon père toujours s'inquiète. Bonne chance. Vérifier si Exy est au camping. Ah mais je peux complètement prendre ta voiture en plus. Dans un état lamentable. Oui. Ça, je suis sûr que tu vas pas prendre la mienne. Alors un camping paraît-il. Est-ce que je peux la réparer? Absolument pas. De toute façon tu roules pas sur la route, tu t'en branles. Bah c'est quand même mieux de là. C'est quand même mieux de la réparer parce que franchement là elle se traîne. Ouais, je me souviens quand la mienne était morte, ça faisait un peu tout désagréable. C'est un explosif ça. Ah, il y a une autre zone safe. Beaucoup de militaires aussi. Mec, il active son truc juste pour le plaisir. Ah quoi, ça surcharge avec l'énergie. Ah, il y a un gros tas. L'énergie gratuite, je suis pas mort. T'es rentré par où? Je suis grimpé par-dessus le toit de la station service. Oula. Ça fait ton malin, toi. Ouf. Et moi voilà, je t'explique comment on fait, hein. Ça a l'air d'être un peu perdu, donc, pour tuer des gens. Mais... Tiens les... Ça t'apprendra, je vois le mal. Hein. Putain, tu laisses des zombies derrière la porte, quoi. Je t'en laissais un, comme ça tu te sentais pas abandonné, sinon t'allais encore dire oui. Trop performant, trop de niveau. Excuse-moi de viser l'excellence. Mais t'as. Putain, mais t'as activé avant qu'on puisse ouvrir la caisse. Tant pis. Quelle caisse? Ah là, il y avait une caisse là. Bah, tu peux toujours la ouvrir la caisse. Bah, non, tu peux pas. Quand t'es en zone safe, tu peux plus. Par contre, effectivement, c'est un petit peu électrifié pour se barrer là. Peut-être la voiture. Mais... Il y avait une échelle, mais le mec a essayé de courir sur le mur à la place. Ça me paraît légitime. Bon, le camping. C'est beau, t'as. Tu transportes des gens qui ne peuvent pas être transportés. Aïe! Qui a mis ce bloc là? Ouais, mais... c'est pour ça que je suis rentré dans un arbre pour le dégager. Alors c'est par là-bas, je me dis que ça va être une idée de merde. Parfait. Qu'est-ce que t'as fait? Nickel. C'est passé large. Franchement c'est passé large. Ah, problème. Oh ça passe. Pas problème. Je suis au moins froid. Un arbre. Il y a un explosif. Aïe. Celui qui est entre les deux là. Petit choc frontal. Pourquoi il y a des mecs. Ah putain, il y a des démolisseurs là. Parfait. Oh la caillasse. Il y a des zombies au-dessus. Sérieux? Oh. Des petites bonbonnes explosives. Ça lui a one shot son casque.
crois que je viens de voir un truc rouge arriver là. Il est encore en vie hein. Normalement, ouais il y en avait une juste là. Il y a aussi un saloperie de crash, une saloperie de crasher quelque part. Mais j'arrive pas à le choper. Ah putain il est sur l'affût de chasse. Ah t'es juste au dessus de toi. Et il s'est pris 3 explosifs dans la tronche et il veut pas crever hein. Ah ça y est. Alors, pourquoi il y a un truc jaune dans cette caravane? On peut ouvrir la caravane. Ah merde. C'est sûr que l'arbalète dans une caravane c'est peut-être pas l'idéal. Ah mais non mais putain, il a foutu le feu. Pas moi. T'as des preuves? Ouais. Et je t'ai soigné, on dit merci. Bah j'étais déjà en train de me soigner en fait, mais bon, admettons. Bon faut fouiller toutes les caravanes ou bien? Ça m'a vraiment pas l'air d'être une zone safe ce camping hein. Je sais pas ce qu'elle a branlé encore mais... Bon... Ça sent l'échec quand même hein. Par contre, il y a des voitures, faut que je pense à fouiller les voitures. Parce que je suis un peu en dèche hein. Voilà, un peu de carburant, un peu de vis... J'aime pas quand tu rigoles comme ça parce que ça veut dire que t'as trouvé une bonbonne d'explosif. Bingo. Oh, je peux tellement faire le kamikaze avec l'allumer et courir vers toi. Des voitures ici. Il n'y a pas grand chose non plus. Là, il y a une grosse casse de voitures ici. Là. Un petit peu de carburant, ça fait pas de mal. Voilà, cette voiture là elle est même pas lootable tellement elle est pourrie. Parfait. Oh une caisse de la Silas. Non, 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 non. Une caisse de Silas avec une bombe explosive juste à côté. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Je voulais tellement faire le kamikaze. Aïe aïe aïe. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Une pièce de traction niveau 1 et des vis, c'est nul. J'ai trouvé un sticker poulet. Un sticker poulet. Ouais. T'as juste une caravane qui est dégueulasse, t'as juste un sticker poulet qui est posé là tout neuf, tout beau. Je vais voir ça. Pas comprendre. Oh écoute, je pense pas qu'il faut essayer de comprendre le loot. Il est où ton sticker poulet? Là-bas, ici. Voilà. Ah oui, d'accord, ok. Effectivement, un sticker poulet. Je vois. De plus grande fierté. Mais où est-ce qu'elle s'est foutue encore? On les a toutes faites. Ah, on n'a pas fait celle-là. La dernière, forcément. Bah non. Est-ce qu'il y a plus de... Ouais, un cadavre à retourner quelque part. Ouais, c'est ça. Il faut qu'on les fasse tous et toutes les caravanes et à un moment on aura... Ah bah elle est pas là. Normal. Oh bah non, personne n'avait remarqué qu'elle n'était pas là. Ok, du liquide conducteur dans le coffre du taxi. Pourquoi pas. Cette petite maison me paraît douteuse comme j'ai essayé de voir s'il n'y a pas genre un trou dans le toit. Non, il n'y a pas l'air. Alors peut-être celle qui est là-bas.
Non, ça a l'air vide aussi. Ah mais arrête de me pousser, il est pour moi. Ça suffit un peu. Bon. Sur la plage. Qu'est-ce qu'on a raté? Youhou. Cette voiture on l'a ratée déjà. Ça c'est fait. Il y a pas un cadavre quelque part hein. Je vais aller voir dans la fuite de chasse peut-être. Parce que tout à l'heure j'y suis passé un peu fugitivement. Non, il y a une caisse à ouvrir. Bon, c'est pour ça pris. Une batte des gentlemen d'Aran et un coffre à bijoux. Alors vu qu'on est là-haut, est-ce qu'on peut voir des choses? Tout ça c'est fouillé, tout ça c'est fouillé. Ça c'est fouillé, là-bas c'est fouillé. Ah, celle-là, il y a un truc pour me rentrer par-dessus. Ah mais non, il y avait une porte aussi. Merde. Elle était juste du mauvais côté. Ah. C'était la dernière, évidemment. Ça y est, fille. And I'm glad to see both of you alive. What are you doing here? How did you get through that hell? Well, I could ask you the same thing. What were you guys thinking? There were only a couple of biters wandering around when we got here. Yeah, but then some bandits showed up and started shooting. Next thing we knew, the place was flooded with undead. Oh yeah, well, it's time to head back. Your dad's worried sick about you. Huh? We're not going back. Forget it, Kyle. This isn't a decision my father gets to make. Eski, Jesus, I knew you were strong, Will, but I didn't think you were crazy. We're going to Haran, Dara and me. We want our own lives. But listen to me, Haran is just as big a death trap as this place. I'm not going to live the rest of my life chained to my father's leg like a fucking dog. No, you can't- Kyle, please! I told you, I'd ask you for a favor someday. This is the day. I need you to help us. We know that it's dangerous in Haran, but this place is killing us. You just got here. Imagine living here. Imagine living among those people. How sick of it you'd get. There's a tunnel not far from here, a path into the city. That's where we're going. All right, but I need to check that tunnel first. Now promise me you won't set foot. Sécuriser le camping. On va fermer. Des fois qu'il y a un bug et qu'il y a un zombie qui rentre et qu'il les bute. C'est genre on est à des kilomètres puis... Ah, vous avez perdu les quêtes principales, merde. Vous êtes mort, oh merde. Bon, où sont ce tunnel là? Ah bah oui, un hydra passe, mais bien sûr. Quelle bonne idée. C'est sûr c'est par là. Je suis pas convaincu non. A mon avis, à moins qu'il y ait un truc sous la flotte. Ouais, toi aussi t'as essayé de sauter puis tu t'es vautré. Avec le vieux bruit de se casser là. Ah tiens, mon truc est cassé, on peut remonter ça. C'est pour ça que je faisais pas beaucoup de dégâts. Vu la distance, on ferait aussi bien de prendre les voitures, je pense. Hein. C'est où? Bon, c'est juste de l'autre côté quoi. Ouais, bon, ok, on y va à pied là. Mais ça fait les mollets. De toute façon, si c'est vraiment un hydra passe, vaut mieux qu'on y arrive de nuit. Ah, y'a un boss. Oh, y'a un méchant qui s'appelle Thor. Vas-y. Ouais. Je comprends pourquoi elle s'appelle Thor. Ok, moi je me disais je vais prendre un petit peu de recul pour voir, mais toi tu charges quoi. Ah oui. Ah putain, il m'a vu. Orella et le tortue. Je ne regrette rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pris de la... Je me fais empoisonner la tronche là. Je suppose qu'il est insensible au feu. Ah, évidemment. Il a l'air insensible au feu. En même temps, c'est un pompier. Hein. Oui, bah, parce que c'est un pompier sensible au feu. Stéréotypé, ça me fait. L'avantage, c'est que si on arrive à le shooter assez vite, il peut pas bouger. Il va quand même falloir quelques carreaux. Hein. C'était raté ça. Ah, il est
trop loin. Wow. Il y a eu Et j'ai bugué sur la musique parce que la... il y a un son dans la musique qui fait... Fais gaffe, il se rapproche. Le début d'une musique de Michael Jackson. Voilà. Et je bug dessus depuis tout à l'heure. On va pas lui couper ses bras là. Tant qu'il lâche sa merde. Attends, c'est un hérisson sa tête quoi. Ah mais il fout le feu au truc en plus. Ah oui, c'est un pompier. Tout de suite les stéréotypes, le pompier qui fout le feu et tout. Il me reste plus que 13 carreaux et on n'a pas beaucoup descendu sa vie, je trouve. Oula. Il me reste 0 PV, je sais pas pourquoi. Et il a fait un espèce de truc rotatif là. Par les pouvoirs du fulgure à point. Ah, c'était un peu ça, ouais. Bon. Putain, il a une bonne tête quand on zoome sur sa tronche de face là. Ouais, c'est bon quoi. Allez, c'est un travail pour petit fusil. Ah, par contre, quand je recharge, on va passer 3 heures à le buter, puis après t'es exilé. Vous avez inspecté le tunnel. Ah merde, le tunnel. Merde, il fait nuit. Drame. Bon, après, ce sera bien pour le nid. Jouer les petits carreaux. Dans la mi-life, quoi. En fait, toutes nos munitions. Qu'est-ce que c'est que ce fusil? Oh là là. Il a foutu le feu au truc pendant que je le chargeais. Moi, il a l'air de prendre la foudre. C'est le bon côté, malgré qu'il s'appelle Thor. C'est pour ça qu'il s'appelle Thor. Wow. Tu penses pas que c'est parce qu'il tue? Ah mais là je crois qu'il t'a one shot là. Bah le Thor tue. On peut même pas te ressusciter. Bah sinon il m'a... Non, y'a des flammes partout. Il m'a tutué. Écoute, je suis désolé, je compatis. Tu veux pas sortir des flammes, connard? Et la politesse. Je suis pas assez nerveux, y'a des flammes. Aïe. Bouge pas, j'arrive. Je te fais confiance. Je dis pas que tu vas survivre, mais je dis au moins que j'arrive. Écoute, il est loin, si t'arrives à grimper maintenant, y'a moyen. Ah, il fait son petit coup de pied par terre là, pas content. La fumée est vachement bien faite, hein. Il disparaît complètement derrière. Oh là là. Je vais regarder si je peux pas fabriquer un truc à. Hop, j'ai pas un truc que. Non, c'est pas ça. Peut-être qu'il est sensible aux dégâts toxiques. Bah il est sensible aux dégâts de foudre mais bon, sensible ça reste un grand mot quoi. Je me disais il y a des trucs... Ah oui c'est toi qui lance ces trucs. Ça n'a absolument servi à rien. Si Ryan il lève la main pour se protéger. Oh. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Il est sensible aux dégâts explosifs, mais nous tu aussi. Tu trouves qu'il nous tue pas assez vite peut-être? Bah c'était un test, s'expérimente. Je crois qu'il va me falloir un peu de munitions bientôt. Bon là au moins on voit sa vie qui descend. Je sais pas si j'aurai assez de munitions pour aller jusqu'au bout mais... J'ai bien essayé, il y a plein de carreaux qui sont là par terre. Son casque il disparaît pas hein. Non c'est un casque de pompier. Sort de la fumée. Tel l'ange de la mort. Il se rapproche. Il met des coups de pied par terre. Tiens, il y a une caisse là. Ah, on peut pas l'ouvrir. Bon il se rapproche, c'est l'heure du fusil à pompe. Oh putain, je
fois tout. T'es mort. Oh, bien joué. Bon bah, c'est l'heure de peut-être récupérer. Des balles. Vous avez appris à fabriquer chargeur portable. De quoi? Chargeur portable. Qu'est-ce donc que ceci? Que ça dit de que ceci? Chargeur portable. Ok, c'est un moyen de mettre de la puissance d'impact et de l'électricité sur une arme. Pourquoi pas? C'est un peu décevant, je trouve, quand même, quand on les bute ces trucs-là. Je sais pas ce que t'en penses, ouais. Mais. Ouais, y a pas de. Voilà, ça manque de panache. C'est vachement cher pour pas grand chose, quoi. Ça manque de panache. Ouais, exactement. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as fait? Je sais pas. Il est monté sur un mur invisible et puis il a sauté dans le vide en mode salut. Finalement, je voulais pas y aller. C'est ma vie, n'a aucune importance. Bah écoute, je propose qu'on profite de cet événement pour s'arrêter là pour cet épisode. Il est suffisamment long, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, en dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous. Salut.